Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on ouvre la boîte à modes pour la Voronne. Donc, tous les modes que je veux faire pour la Voronne sont ici. Alors, pour ce premier mode, on va s'attaquer au GE5C. Donc, ce sera avec les EGLM05 de Aegus. Merci à eux d'ailleurs de m'avoir fourni le matos. C'est grâce à eux que cette vidéo est possible. Et ça permet de remplacer les ball joints qui sont au niveau de l'axe Z, donc les quatre ici aux quatre coins. Allez, c'est parti, on passe au montage. Alors donc pour ce mode, vous aurez besoin de 4 vis M5x20 avec une tête arrondie comme ceci. Vous aurez besoin évidemment des 4 GE5C ou EGLM dans mon cas ici. Vous aurez besoin des M3x20, donc 4. Vous aurez besoin de 12 M3x16. Vous aurez besoin de spacer de 1 mm pour les vis M5. Et vous aurez besoin évidemment de des pièces imprimées. Donc moi j'ai imprimé 3 versions slim ici, plus un quatrième qui est pour les endstop. Donc celui-ci est plus épais que les autres. Voilà. Et vous aurez besoin des clamps ici pour les courroies de l'axe Z. Et j'ai failli l'oublier, vous aurez besoin de 4 vis M3x12. Alors instinctivement, ce que je vais faire, c'est démonter les deux panneaux latéraux ici. Alors comme ça, j'aurai accès directement aux ball joints. Donc on va faire ça. Alors maintenant que la bête est ouverte, je vais tourner ça vers vous pour que vous puissiez voir ce que je fais. Alors on va commencer par le ball joint du fond. Donc c'est celui qui sert pour les endstops. Alors pourquoi celui-là? C'est parce qu'il est un peu différent des autres. Donc je vous ai montré, la pièce est différente, elle est plus épaisse. Et donc vous devez utiliser les vis M3x20 qui sont prévues pour ce mode. Voilà, du coup ce coin-là, c'est le coin du fond à droite. Donc ne vous trompez pas. Du coup, c'est vraiment le coin qui va servir à embuter au endstop, autant pour le Y que pour le X. Donc voilà, c'est très important d'avoir cette pièce-là si vous utilisez, donc que ce soit avec les endstop à Hall Effect ou bien les endstop classiques, donc mécaniques comme ceci. Je vais démonter le premier ball joint. Je vais faire ça en zoomé pour vous, pour que vous puissiez voir en détail comment ça se passe. Alors la chose que vous pouvez voir évidemment, c'est que comme ici l'imprimante est complètement stock, ce sont des vis M3x20 qui sont déjà dessus. Donc évidemment, si vous partez sur un kit ou bien si vous avez déjà votre imprimante prête, vous n'avez pas besoin de vis M3x20 supplémentaires. Vous pouvez réutiliser celles qui sont déjà mises sur votre imprimante. Voilà, donc maintenant j'ai dégagé la dernière partie, celle-ci. Alors c'est la dernière partie qu'on va remplacer du coup. Ok, donc maintenant passons au remontage. Alors vous avez besoin d'une clamp comme ceci et vous avez besoin d'une vis M3x12 que vous viendrez mettre ici dans le petit trou. Alors ce que on va faire, c'est simplement remettre ici la clamp autour de la courroie, donc de notre axe, et on va venir presser la courroie comme avant. Voilà, donc maintenant que ceci est fait, on va prendre notre fameuse pièce ici pour l'endstop et on va prendre un roulement EGLM qu'on va mettre comme ceci. Voilà, donc ça doit bien se clipser dedans, ça ne doit plus bouger après. Voilà, ça doit uniquement pivoter comme c'est prévu. Donc ce qu'on va faire avec ça, c'est venir le visser avec la vis M5x20. Alors la vis, on va d'abord lui mettre ici un petit spacer de 1 mm et on va la passer à travers tout par ici. Et maintenant, on passe à travers tout et on vient visser jusqu'à la butée. Non, pas tout de suite jusqu'à la butée parce qu'on a le chariot à remettre. Et si je visse jusqu'à la butée, ça n'ira pas. Donc le chariot, il va venir ici, on reprend les vis que j'ai enlevées précédemment et on va tout visser jusqu'au chariot.
Voilà, donc maintenant je peux visser jusqu'à la butée. Et voilà, donc maintenant si j'ai bien fait mon boulot, on a un ball joint qui fonctionne parfaitement avec notre joint EGLM. Donc maintenant on va faire ça pour les 5 autres, vous avez compris le principe, ça sert à rien que je remette ça en détail. Alors du coup, si vous avez bien suivi, ce ne sont plus les vis M3x20 que vous devez utiliser ici pour passer à travers et retrouver le chariot, ce sont les vis M3x16, donc ne vous trompez pas. Alors voilà, nos 4 modes donc, pour le GE5C sont montés. Maintenant, ce que je vais faire avant de remonter les panneaux, c'est nettoyer un peu tout ce qui se situe en dessous du bed, parce que c'est vraiment dégueu, il y a plein de plastique. Et je vais en profiter pour regresser ici tous les axes. Moi je vais faire ça hors caméra, et on se retrouve après. Alors avant de tout relancer, vérifiez la tension de vos courroies Z. Donc évidemment, on a bougé à la tension des courroies. Donc vérifiez que vous avez bien remis en tension et que les 4 courroies sont bien à la même tension. Donc pour ça, vous avez un outil que j'ai mis dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à l'utiliser, comme ça, ça vous permet de repérer la tension et de la reporter sur les 3 autres courroies. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire un homing et un QGL pour vérifier que tout fonctionne correctement. Alors je viens de terminer le premier test de résonance donc à l'aide de l'ADXL345 et je suis choqué par les résultats que j'ai obtenus, je m'attendais franchement pas à ça, donc je vous propose de revenir là-dessus tout de suite. Bon alors un petit mot d'explication, donc lorsque j'ai prévu de faire ce mode, donc cette vidéo, alors mon intention était de simplifier un peu le montage de la run et surtout de supprimer les ball joints, donc qui sont imprimés en 3D. Avant ça, j'avais fait des mesures donc de résonance via l'ADXL345 avec Clipper et ces mesures me montraient clairement que l'axe Y était le facteur limitant au niveau de l'imprimante. Pour rappel, hein, ces mesures de résonance permettent de déterminer assez précisément l'accélération maximale de votre imprimante en appliquant une compensation qui ne dégrade pas visuellement vos impressions 3D. Du coup, plus votre imprimante sera stable et solide, et plus l'accélération possible sera élevée. Alors pour moi, ce problème d'axe était entièrement lié à l'emplacement de l'imprimante, donc qui est posé sur mon plan de travail ici, qui est fixé au niveau du mur avec 2 équerres et qui n'est pas renforcé ici sur le devant. Donc voilà, évidemment, comme le plan de travail n'est pas renforcé sur le devant, il a tendance à vibrer sur l'avant, donc ça se répercute au niveau de l'imprimante. Donc clairement, pour moi, ces mauvais chiffres étaient entièrement liés à ça. Alors du coup, évidemment, je pensais que le seul moyen de régler ce problème, c'était de changer l'emplacement de l'imprimante, donc c'est-à-dire que l'imprimante elle est prévue pour aller à l'endroit où mon ancienne imprimante était, mais j'attends d'avoir terminé les modes, d'avoir terminé le passage en R2 pour pouvoir faire ça, et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors ce que je n'avais pas prévu par contre, c'est que ces problèmes de vibration venaient du montage des ball joints. Et donc là évidemment, en montant en ce mode, on se rend compte que le montage des ball joints était problématique et il n'était probablement pas assez serré. Alors moi c'est un serrage que j'avais déjà fine-tuné, mais visiblement c'était pas encore suffisant. Donc après le montage du mode, j'ai fait une nouvelle mesure des vibrations et j'ai constaté ce changement. Franchement, ça m'a étonné, donc j'ai refait plusieurs fois les mesures et ça a été confirmé. Clairement, dans mon cas, le montage de ce mode a permis d'augmenter l'accélération maximale de l'imprimante, puisque avant j'étais limité à 3200 mm/s et maintenant je suis à 4700, donc ça fait une augmentation de 50%, donc c'est énorme évidemment.
Sachant qu'il y a encore une marge de progression, puisque comme je vous l'ai dit, l'imprimante n'est pas posée sur un endroit hyper stable. Et donc ça, on verra comment optimiser le placement de votre imprimante dans une prochaine vidéo. Alors oui, évidemment, ces valeurs, j'aurais pu probablement les obtenir à force de tests et de persévérance avec les ball joints de base de l'imprimante. Mais pour moi, ce qui fait vraiment la force de ce mode, c'est que c'est hyper direct. Donc vous montez le mode, vous serrez les vis jusqu'à la butée, et c'est prêt. Donc c'est clairement un gain en confort au niveau du montage, en qualité de vie aussi, et probablement en entretien, puisque une fois que vos vis sont serrées, vous mettez évidemment un petit peu de frein filet, et ça ne posera plus de problème, ça ne bougera plus. Alors au même titre que la Clicky, je vous propose un kit que je vais mettre en vente, donc via un système d'achat groupé cette fois. Donc regardez dans la description, vous avez toutes les infos, vous aurez un petit lien avec un formulaire à remplir, et en fonction du nombre d'intéressés que j'aurai, bah, je vous proposerai cet achat groupé avec tout le matériel nécessaire, c'est-à-dire les vis qui ne sont pas de base sur votre imprimante. Et sachez aussi que je suis en train de bosser sur une petite boutique en ligne qui vous permettra donc d'acheter les kits que je vais vous proposer au fur et à mesure des vidéos et que vous pourrez retrouver n'importe quand donc, dans cette boutique. Donc à l'image du kit Clicky, chaque achat que vous effectuerez via cette boutique permettra de financer la chaîne. Et donc en toute transparence, c'est grâce à ça et aux liens sponsorisés que j'ai pu financer ici ce petit micro cravate sans fil. Et donc j'espère que le son est un peu meilleur, mais en tout cas pour la capture du son, ça me simplifie nettement la vie. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des futures vidéos. Mettez un pouce bleu, commentez. C'est super important pour le référencement, donc surtout n'hésitez pas. Moi, c'est Tom, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !